Peut-être qu'en te baladant sur le web, t'es tombé sur ça. J'ai plus le cœur à la fête quand je vois son nom. T'es tombé sur une chorale qui chantait dans le métro ou en plein centre commercial. Aïe, 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 aïe. C'est l'artiste Jack qui chante son morceau La Défaite. Le morceau est plutôt facile à jouer, donc je te propose qu'on l'apprenne ensemble dans cette vidéo. Juste avant de commencer, tu peux télécharger gratuitement ton livret 7 morceaux pour bien débuter la guitare. C'est juste en lien dans la description. Pour jouer le morceau, t'as besoin que de 3 accords, le La mineur, le Ré mineur et le Mi majeur. Donc on va voir ensemble tout de suite comment les jouer. Donc pour le La mineur, majeur en 4e corde case 2, 4e corde en partant des cordes aiguës en bas. Ensuite, annulaire en 3e corde case 2 et index en 2e corde case 1. Et là on joue que les 5 cordes aiguës. Ensuite, le Ré mineur, index en première corde, case 1, annulaire en deuxième corde, case 3, majeur en troisième corde, case 2. Et là, on joue que les 4 cordes aiguës. Et enfin, le Mi majeur, majeur en cinquième corde, case 2, annulaire, quatrième corde, case 2, index, troisième corde, case 1. Et là, on peut jouer toutes les cordes. La structure du morceau, c'est très simple. La mineur, Ré mineur, La mineur à nouveau, Mi majeur. Et on joue chaque accord deux temps. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pour le rythme, c'est très simple, c'est le rythme feu de camp. Bas, bas, haut, haut, bas, haut. Et après, si tu veux, tu peux chanter par-dessus. Et quand j'écris son nom, je perds la raison. On peut aussi utiliser un petit arpège pour avoir un rendu un peu différent. Tu peux aussi améliorer un petit peu le morceau en rajoutant des petites fioritures, en rajoutant des enrichissements d'accords, c'est-à-dire au lieu de simplement jouer La mineur comme ça, tu vas rajouter ton auriculaire sur la corde la plus aiguë, case 3. Pareil pour le Ré mineur. Et pour le Mi majeur, tu peux mettre ton auriculaire en deuxième corde, case 3. Je te souhaite de t'amuser avec ce morceau et je te dis à plus pour une prochaine vidéo.